La vie d'aujourd'hui est tellement surréaliste que parfois nous n'arrivons pas à distinguer le vrai et le faux. Vous me demanderez pour quelle raison. Je vous répondrai clairement, allez vous faire foutre avec vos questions. Surtout quand j'ignore les réponses. C'est bon, j'arrive, bisounours. Oh putain, c'est pas bisounours. S'il y a des fantômes, repartez, hein. Je n'aime pas ça. Hein. Putain, y'en a marre, hein. Cette fois, vous allez voir, bande de sales fantômes. Il faut pas emmerder Alfonso. Que fais-tu, Alfonso? J'inspire les fantômes. Cool. Je vois que tu connais tes classiques. Mais t'es qui, toi? Je te connais pas. C'est juste. Mais moi, je te connais. Toi aussi, t'es un fantôme? Pour savoir si je suis un fantôme, utilise ton arme contre moi. Bonne idée, je vais faire ça. On va voir si tu rejoins tes copains. Alors, quelle est ta déduction? Mais t'es pas un fantôme en fait. Mon aspirateur est trop faible, il ne sait pas aspirer ta force. Pose ce stupide engin, s'il te plaît. Et assieds-toi. Dis-moi maintenant que je suis installé, qui es-tu? Je m'appelle Fabio. Je suis un simple visiteur. Un visiteur? Mais pourquoi moi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Simplement parce que ton esprit m'a appelé. Esprit? Mais comment il aurait pu t'appeler si moi-même j'étais pas au courant? Tu te moques de moi là, t'es sérieux? Je sais que tout cela peut te paraître confus, mais l'esprit est bien plus grand que tu ne peux le penser. Ne le sous-estime jamais. Je vois, il a téléphoné à un type derrière mon dos, c'est ça? Mais en fait, tant que j'y pense, comment tu fais pour rentrer sans que je te voie? Tu étais tellement préoccupé par ces fantômes à ta porte que tu n'as même pas fait attention. Je suis impressionné. T'as un esprit ninja, c'est ça? Tellement furtif que je t'ai même pas vu entrer. Eh bien, j'étais invisible à tes yeux, mais extrêmement clair dans ton esprit. Je comprends rien. Je ne veux que ton bien, mon ami. Je suis là pour toi. Que peux-tu m'apporter, mon ami?
je peux ouvrir les portes de ton imagination. J'ai réussi à te mettre dans la peau d'un chasseur de fantômes. Genre SOS fantôme, tu t'imagines? Trop fort. C'est toi qui fais ça? J'ai plus d'un tour dans mon sac, mon ami. Tant que tu me donneras ce pouvoir, je ferai de toi un être à part de ton monde. Je veillerai sur toi jusqu'à ce que mon rôle d'ange gardien soit terminé. Tu te comportes comme un frère alors que je te connais pas. Je trouve ça chouette. Je ne suis pas ton frère. Je suis dans ton esprit. Oh putain, j'ai envie d'un rail. Tu permets? Je t'en prie, vas-y mon ami. Alimente-toi. T'as besoin d'énergie, mon gars. Oh, toi, t'es trop bon comme gars. Trop. Allez, vas-y. Elle est bonne. Au moins, toi, tu me comprends. Pourquoi te contenter que d'un seul rail? Un gars comme toi a besoin de s'alimenter correctement. Pas de putain de régime rachitique. Tu as raison, mon pote. Je vais offrir à mon corps ce qu'il réclame. Super! Mets le paquet, mon ami. Allez, fais-toi plaisir. Tiens, allez, vas-y. Allez, fais-toi plaisir, allez, vas-y. Allez, vas-y, mec. Il semblerait que mon rôle d'ange gardien soit terminé. D'autres personnes faibles ont besoin de mon aide. Je ne dois pas perdre davantage mon temps. La drogue est une véritable saloperie. Alors, avant de commencer la drogue, songez à regarder les dégâts qu'elle fait autour de vous. Pour combler votre tristesse ou un autre problème, la drogue n'est pas la solution. Pensez plutôt à soutenir les plus malheureux que vous. Car il y a toujours pire que nous. Alors ne vendez pas votre âme au diable. L'esprit est assez grand pour dire non à cette merde.